incarner le Saint-Esprit et l'abondance. Et le sous-thème, vous le savez, vous rappelez, c'est la vie dans le royaume. La vie dans le royaume des dieux. Et dans le cadre de ce tout sous-thème concernant la vie dans le royaume des dieux, nous voulons parler, nous entretenir avec vous, partager la parole de Dieu autour de la foi. La foi, cette puissance créatrice des miracles. La foi, cette puissance qui crée les miracles. La foi qui parle et qui déclenche la puissance de Dieu qui opère les miracles. Est-ce qu'on peut dire amen? La puissance, en d'autres termes, la puissance créatrice de la foi. Une foi qui parle et qui déclenche les miracles. Bien-aimés, dans le Seigneur, vous avez besoin de vous rappeler l'importance de la foi. Parce que sans la foi, il n'y a pas la vie de Dieu. Sans la foi, on ne peut jamais accéder à la vie divine et prétendre vivre cette vie. Sans la foi, personne, dit Hébreux 11, 6, ne peut être agréable à Dieu, ne peut être approché par Dieu, ne peut s'approcher de Dieu. La foi, elle est donc extrêmement importante. Alors, c'est ainsi que nous allons, par le Saint-Esprit, essayer d'ajouter encore quelque chose. Il s'agit des principes que nous connaissons, mais nous savons aussi l'importance de nous rappeler chaque fois la parole de Dieu. Nous avons toujours dit que la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire, quand elle est proclamée, Dieu nous parle. Et chaque fois que Dieu parle, sa parole a la puissance d'agir, d'opérer des miracles. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, dans le premier point de ce message, nous retenons ceci. Que la foi a, que la foi parle. La foi parle. Bien-aimés, notre foi doit parler. Notre foi a une voix. Et c'est la seule voix que Dieu aime entendre et respecte. Nous reprenons ceci, que la foi parle. Nous savons que la foi, c'est dans l'esprit de l'homme. Mais il faut que l'esprit de l'homme ouvre la bouche du corps et fasse sortir cette foi par la parole. La foi parle. Et c'est la seule voix que Dieu aime entendre parce que c'est sa parole. Oui, ce que dit Romains chapitre 10, verset 17. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi en Dieu passe par la foi en sa parole. En d'autres termes, la substance de la foi, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas non plus de foi en Dieu. Mais il y a une nuance que nous voulons introduire ici, qui est extrêmement importante. Et vous allez comprendre pourquoi dans l'Église, bien que tout le monde écoute la parole de Dieu, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière face à cette parole. Les vies des uns sont bénies, prospères par la puissance de la parole. Alors que les vies des autres ne sont pas bénies, il n'y a plus de prospérité. Et pourquoi cette différence? Bien aimé, c'est parce que dans chaque parole de notre Dieu, il y a un message. Nous disons que dans chaque parole de notre Dieu, il y a un message. Un message qui est contenu dans la parole. Et lorsque Dieu nous parle, si nous ne faisons pas attention, si notre préoccupation
n'est pas focalisé, centré sur le message que Dieu veut nous transmettre en nous parlant. Bien-aimés, nous n'aurons rien retenu dans notre esprit, dans notre cœur, et non plus dans la mémoire de notre cerveau. Et s'il n'y a rien dans notre esprit, il n'y aura plus rien dans notre vie. Car notre vie est bénie, notre vie est transformée, notre vie est rendue prospère par la puissance de la parole de Dieu que nous recevons au niveau de notre esprit. Est-ce qu'on peut dire encore très bien amen? Lorsque nous recevons le message, nous percevons le message qui est contenu dans la parole de Dieu. Nous retenons ce message. En ce moment-là, quand l'opportunité se présente, notre esprit fait maintenant sortir ce message que nous avons retenu de la parole de Dieu par la bouche. Et quand nous faisons sortir ce message que nous avons retenu par la bouche, l'Éternel Dieu entend cette voix. Parce que c'est son message, parce que c'est sa parole. Il entend cette voix, il reçoit cette parole. L'Éternel Dieu se reconnaît dans sa parole. Dieu connaît sa parole. Jésus-Christ connaît sa parole. C'est ainsi que partout où sa parole est, il est là. Bien-aimés, nous savons un des rôles majeurs de l'Esprit de Dieu en nous, dans notre esprit, dans notre homme intérieur. Mais c'est de nous inspirer la parole de Dieu. C'est de nous révéler la parole de Dieu. C'est de nous enseigner la parole de Dieu. C'est de nous faire comprendre la parole de Dieu. Pour que nous retenions cette parole dans notre esprit. Nous avons dû expliquer comment l'Esprit fait. L'Esprit reçoit cette parole et il la met dans le cerveau. Il la conserve là-bas. Pour qu'au moment opportun, la bouche du corps s'ouvre et l'Esprit fait sortir cette parole. Et quand nous la proclamons, l'Éternel Dieu, il est dans la joie. Bien-aimé, ta foi doit parler. Je dis bien, notre foi a une voix. Elle doit parler. Et nous allons voir au travers de quelques exemples dans la Bible et vous allez comprendre encore très bien. Donc nous disions qu'il y a un message dans chaque parole. Et c'est ce message qui est important et que l'homme doit chercher à percevoir. Amen, bien-aimé. Et c'est ça qui fait la différence dans les vies des chrétiens qui pourtant tous écoutent la même parole. Alors nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle soit directement, c'est un rappel, vous le savez. Dieu parle soit directement par une voix audible. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, par des rêves. Vous n'avez qu'à relire encore Job chapitre 33, le verset 14 et 15. Et quand vous lisez la Bible, c'est comme ça que Dieu a parlé à tous les patriarches, tous ces hommes, toutes ces femmes avec lesquelles Dieu a conclu des alliances. La Bible dit, Dieu parla à Noé, Dieu parla à Moïse, Dieu parla à Abraham. Et Dieu lui dit, la Bible dit, Dieu est venu dans une vision et il parle à Abraham. Il est venu dans un rêve et il a parlé à Joseph, etc. Et c'est pourquoi nous vous exhortons, bien-aimés, à pouvoir désirer que Dieu vous parle. Dieu parle par sa parole, comme maintenant là. Dieu est en train de nous parler. Nous allons lire beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. N'oubliez pas que notre émission, c'est à Bible ouverte. Nous allons ouvrir encore la Bible aujourd'hui pour lire encore la parole de Dieu. Et laisse-moi te rappeler, mon bien-aimé, que dans chaque verset de la Bible, lorsqu'il est question de Dieu qui parle, lorsqu'il est question du Seigneur Jésus-Christ qui parle, dans chaque version de la Bible,
Dieu parle de mon frère. Quand on dit, lisons chapitre 5, verset 4, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Ah oui, donc tu dois te représenter. Nous devons chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, qu'elle est lue, que nous la lisons, nous devons nous représenter dans notre esprit. Que Dieu est présent. Il est présent en personne. Que Dieu est présent en personne. C'est vrai, c'est une personne qui lit. Mais la personne lit quoi? La parole de Dieu. La personne lit ce que Dieu a dit. Le pasteur, le prédicateur, l'évangélique, tout le monde, tous ceux qui proclament la parole. C'est pourquoi on nous a toujours dit que c'est un canal. Le prédicateur, c'est le canal que Dieu utilise. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que ce que le prédicateur lit, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est extrêmement important. Lorsque nous ne faisons pas attention à cela, le danger, le risque, c'est quoi? C'est de ne pas arriver à percevoir le message qui est dans cette parole. Quand nous percevons le message qui est dans la parole, en ce moment-là, le logos devient le rhéma. Le logos, c'est la parole de Dieu dans la Bible. Lorsqu'elle est lue, quel est l'objectif du Saint-Esprit? C'est que chacun de nous reçoive, perçoive le message qui est dedans. J'ai dit bien, c'est comme si Dieu te parle, il est là, en personne, présent devant toi, il parle. Lorsque nos parents nous parlent, vous parlez avec quelqu'un. Mais nous faisons attention à toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Pour retenir l'essentiel, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Et c'est ça là-dessus que nous devons avoir. Lorsque la parole de Dieu est prêchée et enseignée, lorsque nous la lisons, nous la méditons. Donc, dans chaque verset, Dieu parle. Nous devons nous représenter sur l'avoir présent l'esprit. Que Dieu est en train de me parler maintenant. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu n'est pas d'hier. La parole de Dieu n'est pas d'aujourd'hui, ni de demain, pour dire que quand tous les versets qu'on lira demain, c'est fini, ça n'a plus d'impact aujourd'hui, non. Comme pour dire que ceux qu'on a lus hier, non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi cette Bible ici, elle a été écrite il y a plus de 2000 ans, vous le savez. Si nous prenons l'Ancien Testament, mais c'est près les écrits de Moïse. Plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. 1300, 1400 ans avant Jésus-Christ. Mais quand nous la lisons, c'est comme si c'est aujourd'hui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu est vivante. Chaque jour, quand nous la lisons, représentons-nous que Dieu parle. Alléluia. Et la parole de Dieu a la puissance de transformer, d'éduquer, d'orienter, de corriger. Souvenez-nous, toute écriture est inspirée par Dieu. L'apôtre Paul écrit à Timothée pour corriger, pour instruire. Instruire les voies, dans les voies de la justice. Pour inspirer, pour faire connaître la volonté de Dieu. Afin que nous la suivions, nous nous soumettons à cette volonté. Amen, bien-aimé. Dieu parle aussi par le Saint-Esprit. Dieu parle par le Saint-Esprit. Pour faire comprendre encore l'importance du message contenu dans la parole. Quand vous lisez Apocalypse, chapitre 2 et 3, il s'agit là, bien-aimé, de ces sept lettres. Que le Seigneur Jésus-Christ envoie aux églises. Mais vous allez voir qu'à la fin de chaque lettre, il y a une sentence qui revient cette fois aussi. Nous la connaissons. C'est laquelle? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende le message qui est contenu dans chaque lettre.
Et Jésus révèle que c'est son esprit, le Saint-Esprit, qui le révèle à l'Église, qui s'adresse à l'Église. Dieu parle par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est soumis à l'Esprit de Dieu, lorsqu'on lui obéit, lorsqu'on se laisse conduire par lui en tant que véritable enfant de Dieu, comme il est écrit dans Romains, oui, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu. En ce moment-là, il parle, le Saint-Esprit. Il va vous parler. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous devons faire extrêmement attention. Dans chaque parole de Dieu, il y a un message. Et quand nous recevons ce message au niveau de notre esprit, nous croyons en ce message. Nous le retenons. Et lorsque l'occasion arrive, nous ouvrons notre bouche. Nous faisons sortir ce message. C'est ça la foi. Nous faisons parler la foi qui est dans notre esprit. En ce moment-là, bien-aimé, cette foi déclenche la puissance de Dieu. Et les miracles sont accomplis. C'est pourquoi nous avons dit au début que nous allons nous entretenir sur la puissance créatrice des miracles. La puissance créatrice de la foi. La foi qui parle. Et qui déclenche les miracles, ou qui déclenche la puissance de Dieu qui opère les miracles. Alors, deuxièmement, nous allons donc prendre quelques exemples. Le premier exemple, le prenons dans Marc, chapitre 10, le verset 46 à 52. Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Il s'agit de l'histoire de cet aveugle de Jéricho du nom de Bartimée, fils de Timée. Bien-aimés, nous voulons relire encore cette histoire et vous allez comprendre. Comme je vous ai dit que chaque fois que l'on lit la parole de Dieu, comme elle est vivante, il y a une nouvelle révélation, il y a une force, une nouvelle puissance qui nous est transmise. Marc chapitre 10, le verset 46. Vous pouvez lire la même histoire dans Matthieu 20 ou bien dans Luc 18. 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus. Parce que tu as cru à moi, tu es guéri. Soulignez le verset 52. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru à moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru à moi, tu es guéri. D'autres versions disent, ta foi t'a sauvé. Ou bien, va, ta foi t'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Donc, bien aimé, je disais que c'est un texte que nous connaissons. Mais,
souffrait que nous y revenions encore aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va encore nous rappeler beaucoup de bonnes choses qui vont nous aider aussi dans notre foi et nous enseigner des nouvelles. Qu'est-ce que nous allons retenir premièrement, bien-aimés? Nous retenons ceci, que cet homme, Bartimée, il était aveugle. Mais bien qu'aveugle, il entendait. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a entendu que les gens disaient de Jésus? Parce qu'il n'avait pas, il ne voyait pas. Donc, c'est par les oreilles qu'il avait eu connaissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'il avait appris de Jésus? C'est que Jésus est le fils de David. C'est que Jésus est le fils de David. Et nous savons que fils de David, c'est une des dénominations de Jésus qui veut dire tout simplement le Messie. Fils de David, successeur de David sur le trône, selon les prophéties de Dieu, veut dire le Messie. Or, le Messie veut dire le Sauveur. C'est ce que Bartimée a entendu les gens dire. Et ce que les gens disaient, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est dans la parole où il est écrit que Jésus est le fils de David. Et les gens ont reçu cela et ils en parlaient. Et Bartimée a entendu cette parole, les gens l'a proclamée, disant que Jésus, il est le fils de David. Donc, il est le Messie. Donc, il est le Sauveur, cet homme qui a la puissance de l'Esprit de Dieu pour opérer les miracles. Et il a cru, Bartimée. J'ai dit, il a cru en cette parole. Oui, vous posez la question, c'est écrit où? Notez, Matthieu 1:1. Matthieu chapitre 1, verset 1. C'est écrit, voici la généalogie de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. Nous n'avons pas de temps pour vous expliquer. Mais vous savez que Jésus, c'est cette descendance que Dieu avait promise à Abraham en lui disant, Genèse 22 par exemple, que je jure par moi-même, je bénirai ta descendance. Je ferai de toi source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, toi et ta descendance. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Galates chapitre 16, il précise bien que cette descendance dont Dieu parlait à Abraham n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et que c'est par lui que toutes les nations de la terre, y compris Israël, allaient être bénies de la bénédiction de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et nous savons que Jésus, le Messie, devait venir comme un homme. Vous n'avez qu'à relire Zacharie chapitre 6, le verset 12. Là, il s'agit encore d'une autre qualification de Jésus, le germe, en tant que germe, le germe de l'Éternel, qui vient comme un homme. Et cet homme qui vient comme un homme, c'est le Messie, le Sauveur, et qui sera souverain sacrificateur et roi. C'est écrit dans Zacharie 6, 12. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus est venu comme un homme dans la descendance de la lignée de David. C'est pourquoi on dit fils de David. Et lorsque vous prenez encore Matthieu chapitre 21, nous pouvons lire Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Le verset 9. Voici ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 21, verset 9. La Bible dit, et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Donc le Messie, Hosanna à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Nous savons que c'était le jour où Christ est entré triomphalement à Jérusalem. C'est la foule qui crie. Elle dit la vérité. Gloire. Hosanna veut dire gloire. Au fils de David. Quand nous allons toujours au même chapitre, le verset 14, Matthieu 21, 14, la Bible dit quoi? Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. C'est Jésus qui les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'ils venaient d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, qu'est-ce que les enfants criaient? Ils disaient, Hosanna, gloire au fils de David. Ils se mirent en colère et lui dirent, tu entends ce qu'ils crient? Oui, leur répondit Jésus, et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole de la bouche des petits enfants et des nourrissons? Tu as tiré la louange, la gloire. Ce sont les enfants inspirés par le Saint-Esprit qui croient. Les enfants disent quoi? Gloire, Hosanna, au fils de David. Quand ils ont vu Jésus opérer les miracles, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, délivrer les possédés, ils ont dit c'est effectivement le Messie, le Sauveur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Pendant que tu écoutes encore cette parole concernant le Messie, le fils de David, que la foi dans ton esprit déclenche aussi sa puissance. Car nous avons dit que quand il nous parle, il est présent. Que donc ta foi, la foi dans ton esprit puisse déclencher sa puissance. Et que tu obtiennes aussi ton miracle. Jésus opère les miracles. Et les enfants crient, ils voient, ils disent, non, ça c'est réellement le Messie. Mais les pharisiens, les sacrificateurs, à cause de leur incrédulité, ils sont scandalisés et ils sont en colère, énervés. Parce qu'ils entendent les enfants proclamer, prophétiser pratiquement, proclamer cette parole prophétique. Fils de David. Donc, ils ne voulaient pas accepter. Mais la Bible dit qu'il devait venir comme le Messie pour sauver. Et tout ce qu'il est en train de faire, toute son œuvre, comprenait donc ce salut. Mais à cause de leur incrédulité, de leur orgueil, non seulement ils refusent de croire en Jésus, mais ils ne veulent pas que les autres croient. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça, quelques références concernant ce titre messianique de Jésus, fils de David. Et nous disions donc que Bartimée, un jour il a entendu cette parole. Et Bartimée a cru dans son esprit. Il a retenu que l'homme là qu'on appelle Jésus, c'est lui le Messie qui devait venir. C'est pourquoi on l'appelle fils de David. Maintenant, il a attendu l'opportunité. La Bible dit, un jour, Jésus passe par Jéricho. Lui, il était au bord de la route, avec son manteau sur le dos, la main tendue en train de mendier. Mais quand il entend que c'est Jésus qui passe avec la foule, la Bible ne dit pas que Bartimée a ouvert la bouche pour dire, donnez-moi de l'argent, je suis là, donnez-moi, ne me passez pas. Non. Bartimée a saisi dans son esprit que maintenant là, c'est maintenant ou à jamais, comme on dit. Le temps pour mon miracle est là. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas Jésus pour courir et aller me jeter à ses pieds. Ou pour le toucher. Mais comment je vais arriver à ce que Jésus là-bas se rende compte de ma présence et qu'il se rende compte que j'ai besoin de lui?
que moi aussi je crois en lui. Je crois aussi en lui. Comme cette foule de Matthieu 21 qui criait aux Hosanna quand il est entré à Jérusalem. Comme ces enfants qui criaient gloire quand ils ont vu les miracles. Comment je vais faire? C'est ainsi que cet homme prend la décision de faire parler la foi dans son esprit. Bien-aimé, retiens que la foi a une voix. Ta foi doit parler. Ta foi doit parler. Et le Seigneur, il attend que ta foi parle, car il respecte, il aime entendre la voix de ta foi, de notre foi. La voix de notre foi qui est dans notre esprit. L'Éternel veut entendre cette voix d'une manière régulière et permanente. C'est la seule voix que Dieu respecte. La voix de la foi en lui qui est dans notre esprit. Alors cet homme a compris que la seule façon pour que j'atteigne Jésus, le Messie, il faut que j'écris. Et quand il ouvre la bouche, il ne dit pas n'importe quoi. Il proclame cette prophétie concernant Jésus. Il dit, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Nous savons, enfin, nous l'avons lu, la Bible dit quoi? Quand il crie, la foule le fait taire. Quand il crie, la foule le reprend, le rabroue, comme dit la Bible, pour le faire taire. Tais-toi, tu déranges le maître, tais-toi. Bien-aimé, nous avons toujours dit ceci, que nous ne pouvons pas condamner la foule. L'attitude de la foule était normale. Je vais vous démontrer pourquoi nous disons cela. Parce que la foi de Bartimée n'était pas destinée à la foule. La foi de Bartimée n'était pas destinée à la foule. La foule n'était pas concernée par sa foi. La foule n'était pas destinée à sa foi. N'était pas le destinataire de la foi de Bartimée. C'est pourquoi il ne pouvait que réagir comme il réagissait. Bien sûr, souvent on ajoute aussi, ça montre le mauvais cœur des gens. Oui, c'est vrai, parce que, bien sûr, il ne voulait pas que Bartimée voie aussi. Ça sont les hommes. Mais la raison principale, c'est que la foi de Bartimée ne les concernait. La foi de Bartimée ne les concernait pas. Bien-aimés, nous devons faire attention. Fais attention, ma sœur. Ne te laisse jamais intimider. Ne te laisse jamais décourager par l'incrédulité de toutes ces personnes qui sont autour de toi, dans tous les environnements où tu te retrouves, que ce soit en famille, que ce soit n'importe où sur la route, que ce soit n'importe où. Vous savez que même dans l'église, il y a la foule. Ces gens ici incrédules, nous les trouvons nombreux dans les églises. Ne te laisse jamais intimider, mon bien-aimé. Ne te laisse jamais effrayer. Ne te laisse jamais, distraire. Refuse la distraction de ceux qui sont autour de toi. Quand tu as l'opportunité de faire parler la foi qui est dans ton esprit, déclare. Quand tu as l'opportunité de dire amen à la parole de Dieu, dis amen mon frère. Mais maintenant, là, je ne sais pas où est-ce que tu es. Peut-être tu es dans le bus, peut-être tu es dans le magasin, peut-être tu es au bureau, bon frère. Mais quand nous disons dis amen, n'aie pas peur du chef. Ne te laisse pas intimider. Dis amen. Quand il faut dire Jésus est Seigneur, dis Jésus est Seigneur. Déclare-le, mon frère. Quand il faut faire sortir le nom de Jésus, ouvre ta bouche, déclare le nom de Jésus. C'est ce que Bartimée a compris. Bartimée a compris que ce n'était pas la foule qui l'intéressait. Sa foi n'était pas pour la foule.
Bartimée a compris que sa foi, c'était pour Jésus, le fils de David. C'est pourquoi cet homme a continué à... La Bible dit, il a continué à crier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, continue à invoquer le nom de Jésus. Continue à prier, continue à jeûner, à prier, continue à servir notre Dieu. Continue à proclamer le nom de Jésus. Un jour, il nous fera grâce. Notre foi, la voix de notre foi, retentira à amen, bien-aimé. La voix de la foi de Bartimée a fini par retentir dans les oreilles de Jésus. Et il s'est arrêté. Donc le Seigneur Jésus a compris que la foi de Bartimée, c'était pour lui. Il a compris que les cris de Bartimée, ces cris-là lui étaient destinés, lui et non pas à la foule. C'est pourquoi il a fini par s'arrêter, malgré la pression de la foule qui le poussait à continuer à marcher et qui faisait taire Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions jamais, cela n'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 12, que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui doit nous intéresser. C'est lui en qui nous avons cru. C'est sa parole à laquelle nous avons cru. La Bible dit quoi? Qu'il est celui qui ouvre le chemin de la foi. Amen. C'est lui qui ouvre le chemin de la foi, qui amène notre foi à la perfection. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi, selon certaines versions. Lisons Hébreux chapitre 12. Écoutez encore très bien la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 12. Le verset 1 et 2. Voici ce que déclare la Bible. Hébreux 12, 1. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nouvelle de témoins, c'est-à-dire les héros de la foi du chapitre 11, débarrassons-nous donc de tout fardeau et du péché qui nous environne si facilement de tous côtés et courons avec endurance, avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. La Bible dit quoi? Gardons nos yeux, nos regards fixés sur Jésus. Ici, ce sont les yeux de notre esprit. Bartimée ne voyait pas Jésus. Les yeux physiques étaient fermés. Mais son esprit était fixé sur Jésus. Son esprit était bien aimé. La foi dans notre esprit nous permet de fixer nos regards sur Dieu et Dieu seul. Je réponds que la foi dans notre esprit nous permet de fixer nos regards sur Jésus et Jésus seul. La Bible dit, gardons les regards fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Qui nous a ouvert le chemin de la foi, ou qui suscite notre foi et l'amène à la perfection. D'autres versions disent carrément qui est le chef et le consommateur. Ah, bien aimé dans le Seigneur Jésus. Pourquoi la Bible dit il ouvre le chemin de la foi, bien il suscite la foi? Ben oui, parce que c'est lui-même qui est la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Cette parole qui est le fondement de notre foi. C'est pourquoi la Bible dit il suscite la foi. Il est la source de la foi. La source de la foi. Et c'est lui qui nous amène à grandir dans cette foi. C'est lui qui éprouve notre foi et qui l'amène à la perfection. Vous allez voir, dans le deuxième exemple, concernant la femme syrophénicienne, comment le Seigneur éprouve la foi de cette femme et l'amène à la perfection. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Focalisons-nous sur le consommateur de notre foi, sur la source et le consommateur de la foi, qui est Jésus. Bartimée a compris cela, c'est pourquoi il a refusé de se laisser stopper, bloquer par la foule. Je reprends mon frère, ne te laisse jamais intimider. Quand l'occasion se présente, ouvre ta bouche, fais parler la foi dans ton esprit. Ouvre ta bouche, déclare
que Jésus est Dieu. Ouvre ta bouche, déclare qu'il est le Tout-Puissant. Ouvre ta bouche, déclare que Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ouvre ta bouche, déclare que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu, de l'éternel Dieu lui-même. Donc le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi tout genou, ouvre ta bouche, déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce qui est écrit, que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et déclare que rien n'est impossible à Jésus, car il est le Dieu Tout-Puissant, qui n'arrive jamais en retard. Ouvre ta bouche, déclare que Jésus n'arrive jamais en retard. Car si Jésus pouvait arriver en retard, mais Lazare ne serait jamais sorti vivant de la tombe. Ouvre la bouche, déclare que rien n'est impossible à notre Dieu, au Dieu de la Bible, le grand Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ouvrons nos bouches, déclarons que rien n'est impossible à notre Dieu. Que l'éternel, notre Dieu, n'arrive jamais en retard. Mais sinon, Abraham et Sarah ne veulent jamais engendrer Isaac. Ah, mon frère. Zacharie et Elisabeth ne veulent jamais engendrer Jean-Baptiste. Mais tous ces exemples démontrent que Dieu n'arrive jamais en retard. Bien-aimé, quand l'occasion est là, ouvrons la bouche. Déclare que le nom de Jésus a la puissance de guérir toute maladie. C'est écrit, c'est la parole. Fais parler ta foi. Déclare cette parole en laquelle tu as cru dans ton esprit. Marc 16, 18. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bartimée, il a cru que Jésus est le fils de David, le Messie. Et il a ouvert, il a compris qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité. Alors il faut que ma foi parle. Il entendra. Le chef et le consommateur de notre foi, il a fini par entendre. La Bible déclare, il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, il a dit à la même foule, appelez-le, la même foule qui le faisait taire, viens maintenant pour lui dire courage. Tu comprends? Tu vois le comportement? Toi qui as toujours peur. Non, mon fils, peut-être tes parents sont encore des païens. Mais tout en les honorant, tout en les respectant, quand il faut leur dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu, dites-leur. Avec tout le respect. Mais la vérité demeure la vérité. Un jour, ils changeront. Les mêmes là qui te grondent aujourd'hui. Demain, Dieu fera grâce. Il va les sauver. Et ils te donneront raison. Les mêmes qui faisait taire Bartimée, sont les mêmes qui l'encouragent, qui lui disent non, non, courage, viens, il t'appelle. Maintenant, toi qui t'es laissé intimider, toi qui as même abandonné l'église parce qu'on s'est moqué de toi au travail, toi qui as abandonné ta foi en Jésus-Christ parce que les membres de ta famille t'ont menacé, mais aujourd'hui, aujourd'hui, les mêmes ont changé d'avis. Mais toi, tu as perdu l'occasion pour avoir le miracle. À supposer que Bartimée, ce jour-là, s'était laissé intimider et s'était tu. Bien-aimé, Jésus allait continuer à marcher. Je vous dis bien. Jésus allait continuer à marcher. Je réponds. Si ce jour-là, Bartimée n'avait pas crié, et même s'il avait crié une fois, deux fois, mais la foule lui dit, tais-toi. Et il avait obéi au cri de la foule. Et c'était tu. Jésus allait continuer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la foule change d'avis, viens. Quand on dit à Bartimée, viens. Toujours la foi en lui. Amen, bien-aimé. L'amène à changer de comportement. La Bible dit, il a jeté le manteau. Mais pourquoi Bartimée a jeté le manteau? Il n'avait pas encore vu. Mais toujours son esprit. La foi dans son esprit a continué à agir, à convaincre Bartimée que c'est fini. Comme il t'a appelé, tout est terminé. Comme il t'a appelé, c'est fini.
C'est pourquoi Bartimée jette le manteau. Parce que le manteau, c'était le symbole. C'était ça le signe. On reconnaissait Bartimée par le manteau. L'homme là du manteau. L'aveugle là qui a le manteau. Quand Bartimée. Bien aimé, nous devons. C'est ça. C'est là que vient la démonstration de la foi. Cet homme n'a pas encore vu. Non, non. Il n'a pas encore vu. Mais dès que Jésus l'appelle. Oh, alléluia. Dès que Jésus l'appelle, c'est fini, il croit que c'est terminé. Alors comment je vais m'avancer devant lui encore avec cette histoire? Non! C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous de lui avec la foi, dans notre esprit. Et démontrons cette foi, même s'il ne m'a pas encore guéri. Même si je n'ai pas encore eu ce que j'attends de lui. Mais je sais dans mon esprit que je vais finir par l'avoir. Alors je le démontre. Je change de comportement. Je change de comportement. Il arrive. Le Seigneur lui pose la question. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu veux que le fils de David que je suis fasse pour toi? Seigneur, mais je dois voir. Je dois voir. C'est pourquoi j'ai dit, aie pitié de moi, donc guéris-moi. Je crois que tu en es capable. La Bible ne dit pas que Jésus a touché cet homme. Non. La Bible ne dit pas que Jésus a fait une autre prière. Bien, il a proclamé des paroles, beaucoup de phrases. Non. Le Seigneur ouvre aussi sa bouche et lui dit, va, puisque tu as cru en moi, alors sois sauvé, sois guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Oh. Amen, Église. Amen. Ta foi t'a sauvé. Comme pour dire, ta foi à moi a déclenché la puissance. Ma puissance. Ta foi à moi a déclenché ma puissance. Et ma puissance t'a guéri. Sans le toucher. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ta foi à moi a déclenché ma puissance. Mais c'est ce que l'apôtre Pierre répond à la foule. Il va le répéter au Sanhédrin. Lorsqu'il guérit, accompagné des gens, il guérit l'homme, le paralytique, de la porte du temple appelé la Belle. Vous connaissez cette histoire, Actes chapitre 3. Mais si nous lisons avec vous aujourd'hui, le verset 16. Voici ce que dit ce verset. Actes chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, donc l'apôtre Paul, il vient d'opérer le miracle. Bien sûr, accompagné des gens. Voici ce qu'il dit. Verset 16. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué, a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. C'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus, vous comprenez? C'est Pierre qui explique à la foule. Bien sûr, la foule était étonnée. Et la foule venait le glorifier. Pierre dit, non, non, non. Ne nous glorifiez pas, nous. Non. Nous n'avons rien fait, nous. Voici ce que nous avons fait. C'est croire seulement que le nom de Jésus a la puissance d'opérer le miracle, de guérir cet homme. C'est tout ce que nous... On a. Nous avons seulement la foi dans notre esprit que le nom de Jésus a la puissance de guérir, d'opérer les miracles. C'est tout ce que nous avons dans notre esprit. C'est tout. Donc, il ne faut pas croire que c'est nous, non. C'est pourquoi il dit, c'est parce que nous avons cru en Jésus que la puissance de ce Jésus, en d'autres termes, notre foi en Jésus, quelle foi? Que Jésus, il est le fils de David, il est le Messie. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a la puissance de guérir miraculeusement.
C'est cette foi-là qui a donc déclenché cette puissance. Et la puissance a agi. D'autres versions disent, c'est par la foi en son nom qu'est son nom. Alléluia. C'est la même chose. Par la foi en son nom qu'est son nom. Nous avons toujours dit que là où il y a le nom de Jésus, il y a sa personne. C'est pourquoi la version les semeurs qu'ils nous ont ici parle directement de Jésus, de la personne de Jésus. Mais si vous allez dans Louis II, c'est écrit, c'est par la foi en son nom qu'est son nom. Comme le nom de Jésus, c'est sa personne. C'est pourquoi les semeurs disent, c'est par nous avons cru en Jésus que la puissance de ce Jésus. L'apôtre Pierre dit, la foi efficace par Jésus. C'est par la foi efficace par Jésus que cet homme a été guéri. Bien-aimé, la foi dans ton esprit doit parler. Qu'est-ce que ta foi dans ton esprit va dire? Mais la parole de Dieu que ton esprit a créée, c'est tout. Et Dieu aime entendre cette voix parce que c'est ta parole. C'est pourquoi Jésus a fini par s'arrêter. Parce que Jésus a entendu sa parole. C'est pourquoi le ciel pouvait dire, quand vous priez, faites attention. Ne multipliez pas des vaines de paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Retiens cela, mon frère. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Enfin, pour terminer aujourd'hui, nous prenons Matthieu chapitre 15. Le verset 21 à 36. Matthieu, chapitre 15. Le verset 21 à 36. Il s'agit de la foi d'une femme non juive. Je dis qu'il s'agit de la foi d'une femme non juive. Ou la femme syro-phénicienne. Matthieu 15, 21 à 26. 21 à 28, s'il vous plaît. 21 à 28. 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus dit, ô femme, ta foi est grande. Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Femme syro-phénicienne, elle n'est pas juive, elle n'est pas israélite. Mais la Bible atteste que cette femme a cru en Jésus-Christ. Elle a eu la même foi que Bartimée le juif. Elle n'est pas juive. Donc elle aussi, vivant en Israël, elle a entendu les gens dire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Elle a entendu les gens témoigner comme on a lu. Dans Marc, que les gens témoignaient. Toujours dans Matthieu 21 plutôt. Que les enfants, quand ils ont vu Jésus opérer des miracles, des prodiges, les enfants ont cru, ils ont dit non, ça c'est le fils de David. Ça c'est le Messie qui le sauveur. C'est pourquoi il fait ça. La femme syro-phénicienne a aussi entendu cette parole-là qui est écrite et que les gens racontaient. Et c'est ainsi qu'elle décide. Donc elle a cru que Jésus
pouvait aussi délivrer sa fille qui était liée par un démon qui l'a tourmentée jour et nuit. C'est si Jésus vient, s'il vous plaît, la femme vient vers Jésus. Quand elle arrive, elle ouvre la bouche, elle déclare la foi dans son esprit. Quelle foi? Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille, car il y a un démon qui la tourmente. En d'autres termes, je crois que tu es le Messie et que tu as la puissance de délivrer ma fille. C'est ça la foi de la femme. C'est ça la déclaration de sa foi. Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille, car il y a un démon qui la tourmente. En d'autres termes, je crois que tu as la puissance de la délivrer. Alors, maintenant, regardez l'attitude du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va adopter une attitude qui a pour objectif d'éprouver la foi de cette femme. Or, mais quand on examine littéralement les paroles du Seigneur, il y en a qui peuvent dire que le Seigneur a insulté cette femme. Il y en a qui peuvent dire que le Seigneur l'a dédaigné, l'a méprisé. Non, loin de là, non. L'objectif du Seigneur Jésus était d'éprouver la foi de cette femme, d'amener la foi de cette femme à la perfection. N'oublions pas Hébreux 12, 2. C'est lui qui ouvre le chemin de notre foi, qui la suscite et amène cette foi à la perfection. En l'éprouvant, rend notre foi parfaite, puissante, forte. Et comment le Seigneur a éprouvé la foi de cette femme? Premièrement, la Bible dit le Seigneur ne dit rien. Et quand, maintenant, ici, bien aimé, c'est grave. Pour Bartimée, c'était la foule. Mais ici, ce sont les disciples qui sont avec Jésus. Et qui s'adresse à Jésus pour dire à Jésus, renvoie cette femme. Ah, bien aimé, l'homme reste l'homme. Hein? J'ai dit bien, l'homme reste l'homme. C'est pourquoi dans nos églises, vous allez voir les gens qui font semblant d'être bien avec vous, de vous aimer, de vouloir votre bien. Parfois, ils vous disent, mais bah, mon frère, que Dieu vous bénisse. Mais quand Dieu vous bénit effectivement, le sourire termine. La joie envers vous prend fin. Et ce sont les mêmes qui commencent à raconter à côté qu'il a touché, il a volé, il a fait ceci, il a... Les mêmes là-bas. Frères et sœurs en Christ, dans l'église. Où est-ce qu'elle a trouvé l'épingle là-bas? Elle qui coûte 100 dollars. Elle l'a trouvé ça où? Vous savez, son mari est là où il travaille. Mais qui dit ça? Les sœurs dans l'église. Ici, ce sont les disciples. Amen, église. Amen, peuple de Dieu. Ce sont, la Bible dit quoi? Les disciples de Jésus qui disent à Jésus quoi? Renvoie cette femme. Ah, le Seigneur est bon. Amen. Jésus est bon. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Donc, c'est, il est bon. Il est bon. Il n'a pas chassé la femme, non. Il avait un objectif. C'est éprouver seulement la foi de cette femme. C'est ainsi qu'il ajoute. Il dit à la femme, très bien, mais moi, je suis venu pour les brebis perdues du peuple d'Israël. La femme dit, très bien, même si je ne suis pas israélite, moi, mon problème, c'est que toi, tu délivres ma fille. Jésus dit, très bien, on ne peut pas donner les pains destinés aux enfants, aux chiens. Ah, bien-aimé, cette parole était dure. Hein? Ah, elle était dure, cette parole. Mais je vous ai dit, ce n'était pas pour mépriser la femme, non. Ce n'était pas pour la mépriser, pour l'insulter, non. L'objectif du sauveur,
C'est tester la foi de cette femme, l'éprouver. Elle a réussi le test. Bien-aimé, que Dieu te fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, afin que nous réussissions l'épreuve. Nous réussissions le test d'épreuve de notre foi. Et qu'au lieu de reculer, nous continuons. La femme a continué. Elle a dit, tout ça c'est bien. Je ne refuse pas. J'accepte. Comme je ne suis pas juif, que je fais partie des chiens. Mais tu ne vas quand même pas aller jusqu'à refuser aux chiens de manger les miettes qui tombent en dessous de la table. Quelle foi! Quand le Seigneur a entendu cette déclaration puissante de la foi de cette femme syrophénicienne, la Bible dit, le Seigneur a ouvert la bouche, il a dit aux femmes, ta foi, elle est vraiment grande. Alléluia! Amen! Ta foi est grande. J'ai dit que le Saint-Esprit nous fasse grâce afin que nous réussissions au test de notre foi et qu'au lieu de reculer, au lieu de nous décourager, mais que nous puissions foncer, continuer à proclamer la foi dans notre esprit. Elle a dit très bien, nous sommes des chiens, nous les non-juifs, mais laisse-nous manger les miettes qui tombent. Les miettes qui tombent par terre, laisse-nous manger. Alléluia. Amen, Amen bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur ajoute? Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Qu'il te soit fait comme tu veux. C'est-à-dire que qu'il te soit fait comme ta foi le déclare. Mais pourquoi le Seigneur dit qu'il te soit fait comme ta foi le déclare? Parce que c'est sa parole. C'est sa parole. Il est réellement le fils de David. Il est le Messie. Le Dieu Tout-Puissant qui opère les miracles. Au moment où les Juifs, beaucoup ne croyaient pas en lui. Mais cette femme a cru et a fait cette démonstration. Bien-aimée, nous terminons. Lis Ésaïe 65. Verset 1er, Ésaïe 65, verset 1er. Ésaïe 65, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible déclare au sujet de la foi des non-juifs? Dieu dit ceci par la bouche d'Ésaïe. Je me suis laissé consulter par des personnes qui ne demandaient rien et je me suis laissé trouver par des personnes qui ne me cherchait pas. J'ai dit, je suis là, aux gens d'un peuple qui n'était pas appelé par mon nom. Amen. Quel est le peuple qui était appelé par le nom de l'Éternel? C'est Israël. C'est Israël, le peuple de Dieu. Mais quand vous lisez la suite, nous savons, Israël s'était détourné. Mais Dieu rend témoignage. Des peuples qui n'étaient pas Israël, qui ne portaient pas son nom, mais qui ont fini par croire en lui, qui ont fini par le chercher. C'est comme cette femme. C'est au moment où les juifs, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, refusaient de croire en Jésus. Elle a cru que Jésus était le fils de David, qu'il était le Messie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Retiens encore aujourd'hui que la vie dans le royaume de Dieu, c'est par la foi à la parole de Dieu, c'est par la foi en Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Cette foi, c'est une puissance créatrice qui crée des miracles, qui transforme nos vies. Cette foi a une voix, elle doit parler. Et quand l'Éternel Dieu entend chaque fois la voix de notre foi, il aime entendre cette voix. Il finit par s'arrêter et par opérer les miracles. Souvenons-nous, Pierre a dit aux Juifs, aux Sanhédrin, que c'est parce que nous avons cru en Jésus que la puissance de ce Jésus a opéré le miracle que vous voyez. C'est par la foi en son nom que son nom a guéri cet homme.
a bien aimé notre prière et que la foi dans ton esprit part et que la voix de ta foi, qui est la parole de Dieu, finisse par déclencher la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, merci pour cette journée bénie, pour la puissance de ta grâce qui continue à opérer. Merci Dieu le Saint-Esprit. Papa, merci d'agir. C'est vrai, tu es le Dieu Tout-Puissant. A Dieu le Saint-Esprit, c'est vrai, rien n'est impossible à toi. Oui, Dieu le Saint-Esprit, c'est vrai. Tu es le Dieu qui écoute la voix de notre foi. Merci d'écouter la voix de notre foi et d'opérer ce miracle et d'intervenir encore en ces jours par ta puissance pour détruire tous les plans du diable contre ton Église, pour détruire tous les complots du diable contre nous, pour détruire tous les plans du diable contre ton Église dans le monde, ton Église dans notre pays, pour détruire tous les plans du diable contre ce pays, pour détruire tous les complots des sorciers et des sorcières contre nous, contre ton Église. Louange et gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen et nous acclamons.